Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième conférence d'initiation à l'histoire des arts au pavillon blanc de Colomiers. Donc, je suis toujours Olga Panella, doctorante en arts plastiques à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Et aujourd'hui, nous allons parler de dessiner une histoire. Donc, on est dans le cycle de conférences où on s'intéresse au dessin. Et aujourd'hui, on va passer plutôt du côté de la contemporanéité, donc du XXe siècle, et on va parler, et du XXIe d'ailleurs, d'Art Spiegelman, Enki Bilal et Luz. Pour vous resituer, on a déjà fait une grande partie du chemin. Là, vous voyez les conférences qu'on a déjà faites ensemble, et nous, on est à l'avant-dernière, en sachant donc qu'il nous en reste encore une seule, en janvier, où on s'intéressera à la lettre comme écriture. Enfin bon, voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez bien en janvier. Alors, aujourd'hui on parle donc de trois artistes. Alors il y a un petit doublon, je suis désolée, je le vois à peine. Art Spiegelman qui naît en 1948, Enki Bilal en 1951 et Luz en 1972. Donc vous voyez, on est vraiment sur une période à cheval entre le 20e et le 21e. Et comme d'habitude, je vais vous présenter donc d'abord ces trois artistes avec une sélection de leurs travaux, de leur biographie aussi, quelques petits fragments que j'ai voulu prélever que j'ai trouvé intéressants, notamment toujours reliés à notre intérêt pour le dessin et au lien avec l'histoire et le fait de dessiner une histoire. Et ensuite, on discutera ensemble de vous, vos expériences avec ces dessinateurs, avec d'autres dessinateurs peut-être aussi, puisqu'il y en a trois qui ont été choisis pour cette conférence, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont dessiné l'histoire aussi, et que vous connaissez certainement. Voilà, donc je m'attaque tout de suite à Art Spiegelman, et puis on verra, je pense que je vais vous présenter d'abord les trois artistes, et puis ensuite on ouvrira peut-être un temps de discussion sur la fin. Enfin, j'espère, je l'espère, vous savez que moi j'adore discuter avec vous. Donc Art Spiegelman, de prénom originel Arthur, appelé Artie et donc Art par son père, est donc un artiste américain, qui est néanmoins né en 1948 à Stockholm en Suède, et qui est un des artistes phares de la BD underground, excusez-moi, américaine, des années 70-80. Donc là on vous parle bien des années 1970 et 1980. Il devient connu à partir du milieu des années 80, notamment pour une de ses BD phares que vous pouvez voir. Ah mince, c'est pas ça, trop d'ordi. Que vous pouvez voir ici, Mouse. Donc on va reparler de Mouse ensuite, mais je voulais commencer un peu avec ses années de jeunesse, puisque elles sont aussi intéressantes et ça va vous aider aussi à peut-être comprendre un peu ce qu'est la BD underground. Donc bon, il est né de son père Vladek Spiegelman et de sa mère Ania Zilberberg, donc juifs polonais, qui ont été rescapés des camps de concentration et qui émigrent ensuite aux États-Unis alors qu'il est encore enfant. Il commence à prendre des cours de dessin très tôt et se fait publier alors qu'il a que 16 ans dans des fanzines. Alors je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec cette notion, mais les fanzines, ça fait partie de la micro-édition et ce sont en fait des mini-magazines publiés parfois seulement une fois ou deux. Qui vont avoir vocation à regrouper souvent plusieurs artistes et à être libérés des contraintes de l'édition classique. Donc le fanzine, c'est vraiment, quand on appelle ça micro-édition, c'est que c'est petit tirage, mais aussi très lié à ce qu'on appelle ici la BD underground et aux alternatives de la création, c'est-à-dire avec des contraintes vraiment très très légères par rapport au contenu éditorial, au style, etc. Donc c'est les fanzines, un mode d'expression très relié au courant punk par exemple, ou à tout un tas de niches ou de sous-cultures ou de contre-cultures, notamment dans les années 70-80. Et un fanzine, ça peut tout simplement être aussi une feuille A4 pliée avec un certain pliage et avoir une sorte de micro-carnet à 4 pages, ça peut déjà être un fanzine. Donc ça peut être imprimé, mais ça peut être aussi fait à la main. Je précise parce qu'on va en parler souvent, et vous allez voir que ces trois artistes, en début de carrière, ont souvent justement commencé à publier dans des fanzines et dans des éditions alternatives comme ça.
Donc, vous avez ici, par exemple, la couverture du fanzine RAW, R-A-W, donc, édité par lui et sa femme Françoise Mouly en 1980. Donc là, c'est eux qui ont fait ce fanzine où ils ont regroupé des travaux d'artistes divers et variés. Donc, en voyant, je voulais vous mettre cette couverture parce que ça montrait bien un peu cette manière de présenter le graphisme vraiment très typique des années 80 avec ses motifs très particuliers, etc., etc., une ligne un peu épurée, très graphique. Mais aussi, en dehors des fanzines, il y avait d'autres espaces d'expression intéressants comme les cartes à collectionner que vous avez peut-être connues dans votre enfance. Comme ici, les Garbage Pail Kids ou les Crado en français, ça date des années 80. Et donc, par exemple, là, je vous ai mis la carte de, donc, une des cartes à collectionner, donc Adam Bomb. Donc, vous voyez déjà bien cette esthétique un peu provocatrice avec une typographie. Donc, la typographie dont ce dont je parle là, c'est l'écriture que vous avez en bleu et blanc. Et la typographie, c'est la manière de former les lettres très spécifiques qui vont leur donner un style, en fait. Et là, on a une typographie très, très inspirée aussi par la contre-culture punk, par l'univers un peu inspiré d'Halloween, etc., ce genre d'esthétique-là, qu'on retrouve aussi dans la typo de Rocky Horror Picture Show, ce film mythique. Donc tout c'est, enfin voilà, il y a beaucoup d'interconnexions et de choses à relier dans ces années-là, et c'est aussi un moment où la BD va prendre vraiment une place importante dans la pop culture, donc vraiment dans ce que les gens qui n'ont pas l'habitude de lire des livres vont pouvoir acheter et lire facilement, mais aussi beaucoup chez les jeunes de ces années-là, et qui vont influencer en fait des générations et des générations d'artistes et de passionnés tout simplement. Donc voilà, vous avez un peu l'esprit des jeunes années d'Art Spiegelman ici. Il fait donc des études d'art et de philosophie, ce que j'ai trouvé intéressant. Et en 1968, termine ses études et commence à publier. Donc il a tout un tas de publications diverses. C'est un peu compliqué aujourd'hui avec le froid, là. Vous entendez que ma voix est un peu aussi abîmée. Et encore, ça va mieux. Il y a deux jours, je ressemblais à un adolescent de 15 ans. Il a publié avec aussi de nombreux auteurs de l'époque qui, à l'époque, n'étaient pas très connus. Donc là, on est au milieu des années 70, dont notamment, pour ne citer que lui, Robert Crumb, qui est aussi un dessinateur très connu. Et Bill Griffith, etc., etc. Enfin bon, voilà, il y a toute une liste très longue. Donc ces gens se connaissaient, se côtoyaient, étaient plus ou moins amis, et ces relations-là sont intéressantes aussi. Donc comme vous l'avez vu avec cette couverture du fanzine, il est marié à une Française, donc Françoise Mouly, et avec cette femme qui est écrivaine et aussi avec sa fille, enfin leur fille, ils ont créé aussi eux-mêmes des fanzines de résistance ensuite, notamment contre Trump. Donc on va voir ça dans quelques slides. Il vit actuellement à New York et il a donc gagné, alors je commence un peu par la fin, je fais des croisements historiques, mais il a obtenu le prix Pulitzer en 1992 justement pour Maus, dont on va parler maintenant. Donc moi c'est plusieurs ouvrages, moi je vais vous parler d'abord du premier tome. Donc dans Maus, on est donc quand vous le tenez dans votre main, c'est un livre, hein, c'est ce qu'on appelle un roman graphique, pour ne pas dire une BD. Et dans ce premier tome de Maus, Art Spiegelman raconte avec deux narrations, deux époques différentes qui s'entrecroisent, donc la fin des années 70, qui correspond à l'époque au présent, et les années 1930-1945, qui correspondent en fait à justement l'histoire de son père, donc Vladek, qui a vécu les camps de concentration. Donc en 1986 sort le premier volume de Maus, Un survivant raconte, qui retrace donc la vie de sa famille racontée par son père pendant l'Holocauste. Et en 1991 sort la suite et la fin, en français le titre c'est « Et c'est là que mes ennuis ont commencé ».
Et il faut savoir que donc le second tome sort en 91. Il obtient le prix Pulitzer pour ses deux livres en 1992. Et tout de suite après ça, lui est consacré une exposition au Musée d'Art Moderne de New York. Donc c'est une des premières fois où un musée d'art contemporain expose un bédéaste, puisque c'était quand même aussi une forme d'art un peu mal aimée par, on va dire, l'art contemporain classique, la peinture, etc. Pour préparer ce travail sur ces deux ouvrages, ça j'ai trouvé ça intéressant, à la fin des années 70, il voyage à Auschwitz pour étudier vraiment les lieux. Donc là je vous ai mis une image, image mythique puisqu'on la connaît tous de nos livres d'histoire. Et puis comme je vous ai dit, ça va être aussi un travail vraiment d'entretien avec son père, donc de très très longs entretiens puisqu'il y a eu tout un processus psychologique de déconstruction, dans le sens où son père ne voulait pas parler. D'ailleurs, ils se parlaient très très peu tous les deux avant qu'il commence son enquête pour ce livre. Et puis donc voilà, vraiment ce croisement entre son histoire contemporaine de fils et d'habitant de New York dans les années 70, et en même temps l'histoire de son père, de cet exil, de cette fuite et de cette vie dans les camps, etc. Je vous ai mis deux planches ici, donc je pense que vous devez être assez calé quand même en BD, puisque vous avez la chance d'habiter à Colomiers et d'avoir vous-même un festival de BD très connu. Mais quand même, je vous le dis parce que voilà, je ne veux pas être excluante. Donc quand vous ouvrez une bande dessinée, vous avez une page, et cette page, c'est la planche avec les cases, et dans ces cases, vous avez des bulles. Donc ça peut être des bulles comme c'est. Enfin, ça peut être. Les bulles, c'est quand les personnages pensent ou s'expriment. Et puis vous avez aussi ces encarts où la voix omnisciente ou narratrice va donner des informations sur l'endroit où on se trouve, etc. Après, il n'y a pas particulièrement de règles, comment dire. Il n'y a pas particulièrement de règles obligatoires, c'est-à-dire que par exemple là, ce pourquoi j'ai choisi de vous mettre cette page de gauche avec ce carnet figuré à l'intérieur, c'est que justement parfois, enfin très souvent même d'ailleurs, les BDS vont prendre des libertés et vont faire évoluer les planches, les cases, etc. D'une manière un peu originale. Et ça, voilà, vous le verrez pour les trois artistes dont nous allons parler aujourd'hui, chacun avec son style. Et donc ici, on peut voir que Art Spiegelman déjà choisit de ne faire que du noir et blanc. Et il choisit aussi quelque chose de très intéressant, et je vais finir là-dessus parce que j'ai pas envie de trop parler de ça. Peut-être que vous, vous m'en donnerez surtout vos ressentis, puisque vous avez, pour la plupart d'entre vous, j'imagine, lu cet ouvrage. Moi, je l'ai lu, par exemple, quand j'étais ado, parce que mon père est un grand passionné de bande dessinée. Et donc, lui choisit donc le noir et blanc et aussi la représentation zoomorphique. Donc, en fait, on le voit un peu mieux quand on regarde la couverture. Mais donc les Juifs sont des souris, les Allemands nazis sont des Allemands, et il y a aussi un personnage qu'on voit pas ici, mais qui sont les Polonais qui collaborent avec les Allemands, qui sont des cochons. On les voit pas ici. Donc il y a cette représentation zoomorphique de par la nationalité des gens qui est vraiment un choix de Mauss très spécifique pour distinguer en fait les différentes personnes, et puis pour aussi montrer le côté victime et en même temps aussi le jeu du chat et de la souris avec cette lutte pour la survie, etc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que Spiegelman lui-même en parle pour ce choix-là. Donc, après Mauss, il entre au magazine The New Yorker en 2002 et il va faire... avant même de rentrer officiellement comme dessinateur dans ce magazine, la couverture pour le numéro du 24 septembre 2001, donc c'est le premier numéro suivant le 11 septembre. Et il va faire donc la couverture que vous voyez à gauche, à droite, et après avoir fait cette couverture-là, donc qui est vraiment une couverture qui a fait sensation... dans le sens où elle représentait l'absence, en fait, c'est ça qui la rend originale. Après ça, il a sorti un livre qui s'appelle La lampe des tours mortes en 2004, et vous voyez ici la couverture de cet ouvrage-là. Alors, moi, c'est moi qui ai préparé cette conférence, donc elle a forcément aussi un biais personnel. Et vous allez voir que des dessinateurs qui parlent d'histoire, ça mélange forcément l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est témoin de son époque ou témoin de l'époque de ses parents, comment est-ce qu'on va transformer en patrimoine une histoire personnelle de famille ou une histoire, on va dire, de visu, de ce qu'on a pu observer avec ses propres yeux,
etc., etc., et mélanger avec une histoire avec un petit H, donc une histoire personnelle, comment parler de soi, de la manière dont on a ressenti l'histoire en train de se faire, par exemple, pour le 11 septembre, ou dont ça a imprégné notre famille, qui on est, etc., etc. Donc vous allez voir que pour tous ces dessinateurs, c'est un peu le fil rouge qui les relie. Néanmoins, je vous parle de cette couverture et du fait que Spiegelman était un dessinateur de presse, puisqu'il travaillait pour le New Yorker, parce que c'est important dans le sens où, justement, il va à l'élection de Trump, vraiment prendre position dans la résistance et se poser beaucoup de questions. Alors, Spiegelman, quand on écoute ses interventions en conférence, etc., il parle aussi beaucoup de comment est-ce qu'il a refusé de dessiner Trump à l'époque, puisqu'il voulait pas ajouter, en fait, à l'opulence médiatique, au fait qu'on parle seulement de Trump, comme aujourd'hui avec Zemmour, par exemple. Il s'est vraiment longtemps questionné sur est-ce qu'il faut le dessiner, comment le dessiner, etc., etc. Et puis finalement, sa fille et sa femme ont créé ce fanzine, donc je vous ai donné l'explication tout à l'heure, qui s'appelle Resist, qui est donc gratuit, et qui était en fait vraiment voué à regrouper des modes d'expression de résistance face au trumpisme et montrer justement des voix allant à l'encontre de cette politique pour montrer qu'il y avait des personnes qui s'alliaient ensemble et qui s'exprimaient artistiquement, politiquement à l'encontre de la politique de Trump. Et d'ailleurs, il y a une anecdote très intéressante à ce sujet parce que mon père, qui est donc grand féru de bande dessinée américaine, avec qui j'ai beaucoup discuté pour préparer cette conférence aussi, en fait, lui, c'est un grand fan de Doonesbury. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD. J'ai pas mis d'image, malheureusement, j'ai complètement oublié. Mais c'est un cartooniste politique américain très connu qui a en fait dessiné, enfin, qui a, je crois, déjà 40 ans de carrière derrière lui et qui a en fait commencé à dessiner des cartoons sur Trump il y a 20 ans, enfin, il y a déjà assez longtemps. Et Trump très vite a réagi à ces cartoons-là avec des mots très très durs envers lui, en disant qu'il n'était pas du tout un artiste. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu le style verbal de Trump qui est quand même très attaque directe et qu'il a attaqué vraiment sur voilà, enfin avec des mots très durs. Et lui, ce dessinateur a donc pris ces mots-là qui sont sortis dans la presse et les a utilisés sur le quatrième de couverture d'un livre qu'il a dédié à Trump. Donc lui, Doonesbury, il a choisi en fait de vraiment dessiner Trump et en plus d'utiliser ses propres mots pour la quatrième de couverture et d'en faire un album entier où il collectait tout ce qu'il avait dessiné. Mais je sais que Art Spiegelman, c'est une question qui s'est beaucoup posée justement. Faut-il ou ne faut-il pas dessiner quelqu'un dont on parle trop dans la presse? Alors je sais pas si vous avez un avis sur la question, mais en tout cas si vous l'avez, gardez-le bien en tête pour tout à l'heure. Alors j'ai eu un petit doute, j'ai vérifié. Donc Doonesbury, c'est le titre du comic et l'auteur en fait c'est Gary Trudeau et qui dessine donc depuis les années 70. Internet est notre meilleur ami quand on a un doute. Alors donc je continue un peu sur ma lancée puisque Spiegelman a publié tout un tas d'ouvrages et en fait ce que j'ai trouvé intéressant ici à droite dans le visuel, c'est que on le voit en fait avec un masque de souris dans son atelier avec donc ses outils et en arrière-plan on voit une petite affiche de mouse. Et puis par la fenêtre on voit voilà ce militaire avec une sorte de tête de chat et en fait souvent Spiegelman raconte que l'expérience de Maus a été très écrasante pour lui puisque bon ça lui a permis de gagner le prix Pulitzer mais en même temps on ne lui parlait que de ça alors qu'il a dessiné énormément d'autres choses sur d'autres thématiques et que du coup pour lui ça a été quelque chose à la fois de très positif et à la fois de très écrasant donc il a dû aussi déconstruire cette expérience là pour pouvoir faire autre chose de plus contemporain et de moins lié justement à l'histoire passée, mais plus à l'histoire en train de s'écrire, donc à la contemporanéité, à l'histoire présente. Je trouvais que c'était intéressant. Et puis en même temps, c'est un peu ambigu, parce qu'il a aussi sorti un ouvrage qui s'appelle Meta Mouse en 2012, qui regroupe en fait le making-of de la création de Mouse, où il explique tout son processus,
comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a assemblé tous ces fragments de famille. Et ce que moi, personnellement, je trouve intéressant, mais c'est vrai que pour sortir un peu... Enfin, d'un côté, il a ce discours où il dit qu'il voudrait sortir de ce côté écrasant et faire autre chose. Et puis ensuite, il publie quand même en 2012 un ouvrage qui explique toute la manière... Bon, voilà. De toute façon, enfin, ça, l'un n'exclut pas l'autre, mais c'est quelque chose qu'il a beaucoup... comment dire, qu'il a beaucoup travaillé intérieurement et qui lui a posé aussi beaucoup de questions par rapport à voilà, la place entre l'artiste et le militant, comment trouver un peu le juste milieu entre ces choses-là. En 2012, il est décoré de l'ordre des Arts et des Lettres par Frédéric Mitterrand, qui est alors ministre de la Culture, après avoir présidé la 39e édition du Festival d'Angoulême. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va collaborer quelques années après, en 2015, avec JR, donc l'artiste JR, qui est l'artiste qui fait ses grands collages photos dans les favelas, etc., qui vient un peu du monde du street art. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est en lettres majuscules J et R, si jamais vous avez envie de regarder. Sur l'ouvrage Ghost of Ellis Island, où justement, ce qui est intéressant, c'est que il y a une collaboration entre photographie, bande dessinée, art de rue, etc. Tout ça pour commencer un peu à vous montrer, c'est ce que je vais vous démontrer aussi avec cette conférence, que la BD est un art intéressant dans le sens où elle est très transdisciplinaire et ouverte sur d'autres arts, d'autres techniques. Et c'est ce que moi je trouve très personnellement chouette. Donc vous allez voir ça aussi avec Bilal, etc. Une dernière petite info sur Spiegelman. En 2019, Marvel, donc la société de grands comics d'aventure, lui demande d'écrire l'introduction d'une anthologie sur les comics des années 40. Mais la maison d'édition rejette le texte de Spiegelman, car dans ce texte, Spiegelman compare Donald Trump à un super vilain, l'appelant, j'ouvre les guillemets, crâne orange. Et en fait, le fait que Marvel refuse d'être impliqué politiquement dans une critique de Trump va donner en fait, enfin déjà va scandaliser Spiegelman et va lui donner envie en fait de retirer tout son texte et de le publier par contre dans le journal The Guardian. C'est un article qu'on peut trouver sur internet qui est très intéressant. Donc qui s'appelle Art Spiegelman, Golden Age Superheroes Were Shaped by the Rise of Fascism. Donc les super-héros de l'âge d'or ont été façonnés par la montée du fascisme. Et c'est un texte intéressant où Art Spiegelman fait justement essaye de tisser des liens comme ça entre super-héros, fascisme, la construction du super-vilain, etc. Enfin, c'est voilà, moi c'est un article que vous pouvez consulter. Et en fait, dans cette lignée, il va quitter aussi le New Yorker, donc pour lequel il a été dessinateur, et d'ailleurs New Yorker duquel sa femme est la directrice artistique, à la suite de plusieurs refus de couverture et afin de dénoncer le conformisme éditorial qui s'empare selon lui à l'époque des médias américains. Donc en 2002, la critique est essentiellement tournée vers George W. Bush, et pour lui, les médias sont trop timides et conservateurs, alors qu'ils devraient vraiment avoir une position de contre-pouvoir et justement de cristallisation du débat politique grâce au dessin. On reparlera de ça en fin de conférence avec Luz, justement. Je me rends compte que je vous donne quand même beaucoup d'informations, enfin comme d'habitude, mais je pensais que ce serait un peu plus léger, je suis désolée. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'espère que ça va pas trop vous assommer pour après. Mais bon, comme d'habitude, on va essayer de faire des liens aussi entre ces trois artistes. Et je pense que vous me voyez un peu venir avec les différents fils rouges que je vous ai exposés là déjà. Donc bon, Enes Bilal dit Enki Bilal. Je continue sans respirer. On est là, on y va, on est à fond. Je vous ai mis pareil ici un petit déroulement chronologique, dans le sens où le bol maudit que vous voyez ici à votre gauche, c'est un de ses premiers albums. D'ailleurs, on voit aussi par rapport à la femme piège que vous avez à droite que c'est vraiment beaucoup plus artisanal hein, en termes de présentation, ce qui est d'ailleurs très intéressant, je trouve. Donc, Enki, c'est diminutif affectueux d'Enes, donc le vrai prénom de Enki Bilal, c'est Enes Bilal. Il est français, mais il est né en 1951 à Belgrade, en Yougoslavie, donc l'actuelle Serbie. Et lui, en fait, va beaucoup plus œuvrer dans la science-fiction et travailler les thèmes du temps et de la mémoire, ce qui va nous intéresser aussi par rapport au lien entre dessin et histoire. Son père s'appelle Mohamed Amo Bilal, il était un tailleur bosniaque, musulman non
pratiquant et sa mère, une Tchèque prénommée Anna Bilal. Et en fait, leur famille, qui donc est installée à Belgrade en 51 quand Enki Bilal naît, va devoir en fait s'exiler puisque le père d'Enki Bilal était un compagnon de Tito dans la résistance et il refusait néanmoins, malgré ça, d'adhérer au parti communiste, ce qui va donc le forcer à demander l'asile en France où il va achever, donc le père d'Enki Bilal, sa formation de tailleur. Et va être rejoint par sa femme et ses enfants à Paris en 1961. En 1967, les Bilal sont naturalisés français. Et en 1972, après un passage éclair à l'école des Beaux-Arts, Enki Bilal publie sa première histoire, Le bol maudit, dans le journal Pilote. Donc vous voyez ici la couverture. Donc Enki Bilal a énormément produit, énormément d'albums différents dès la fin des années 70. Donc L'Appel des étoiles, La foire aux immortels et La femme piège, donc en 1980 que vous voyez ici. J'ai pas tout mis parce que justement il y en a trop et parce que je voulais faire une sélection pour parler de certains thèmes en particulier. Notamment ce qu'on peut voir ici, donc avec La femme piège 86 et Bug, qui est beaucoup plus récent, mais de 2019. En fait, le rapprochement, je vais assez peu vous parler finalement des contenus de ces BD. Je vais quand même revenir dessus, mais assez furtivement. Pour plus vous parler vraiment du côté plastique esthétique, notamment ici, entre La femme piège et Bug, cette utilisation très particulière de la couleur bleue. Et en fait, l'utilisation des couleurs chez Enki Bilal va être quelque chose de très important. En fait, dans son univers, sont présents aussi beaucoup d'animaux, comme on voit ici avec cette espèce d'aigle hurlant dans le miroir. Mais c'est une sorte d'univers rétro-futuriste, un peu à la fois dans la science-fiction, à la fois dans le patrimoine et la mémoire. Et en même temps avec une esthétique très abîmée, très post-apocalyptique, et dans cette sorte d'ambiance un peu froide, puisque c'est souvent quand même ça qui va... C'est pas exactement une ambiance chaleureuse hein, qui se dégage du travail d'Enki Bilal, comme vous pouvez le voir ici, même si bon, il peut y avoir de la douceur, etc. Mais... il y a quand même une prédominance de couleurs très froides. Et le bleu et le rouge vont être des couleurs un peu phares. Ils vont être des couleurs très symboliques. Donc la femme piège, elle a les cheveux bleus, les lèvres bleues. On voit en fait, qu'on va se le dire, vous allez le voir de manière très criante. Le bleu et le rouge sont vraiment des couleurs essentielles, phares dans la production d'Enki Bilal. Bon, ici, vraiment, c'est flagrant. Mais même quand on observe un peu ces planches, là, dans Les phalanges de l'ordre noir, vous allez avoir vraiment la couleur rouge qui va représenter... qui va être, enfin, c'est quasiment monochrome. Hein, y a presque que du blanc et du rouge. Et du noir, bien sûr. Donc la violence va être vraiment... Enfin, voilà, le feu, le sang, etc. Les sens représentés par la couleur rouge. Alors que la couleur bleue va être très présente plutôt pour montrer un petit peu le mysticisme, le lien avec le mystère, avec voilà, toutes ces questions-là. Je vais un peu vite dans les diapos, je suis désolée, c'est vrai que la dernière fois on m'avait demandé d'aller moins vite. Je vais revenir au début et je vais y aller une par une. Pardon, mais j'ai tellement de choses à vous montrer. Bon, arrêtons-nous là à Bug. Donc Bug, je vous explique juste rapidement l'histoire pour que vous voyez un petit peu la philosophie de Bilal. Donc Bug, en fait, c'est en gros trait un bug qui se passe donc dans l'époque contemporaine et qui fait que tous les appareils numériques vont complètement s'arrêter d'une seconde à l'autre. Et en fait, une seule personne qui est de retour d'un voyage de l'espace, qui est la personne qu'on voit en couverture ici, va avoir enregistré dans son cerveau, on ne sait pas pourquoi, l'ensemble de tout le patrimoine humain numérique. Les SMS, les photos, les disques durs, tout le patrimoine numérique qui a disparu, puisque plus rien ne fonctionne sur Terre, va se retrouver stocké dans le cerveau de cet individu. Et donc forcément, va s'en suivre une course-poursuite, etc., avec des kidnappings, enfin toute une histoire. Et cette idée, justement, de... Comment dire
la soumission qu'on a par rapport au numérique va être un grand thème aussi de Bilal, mais en dessous de ce thème-là, il y a le thème de l'écriture de l'histoire et de notre patrimoine. Comment est-ce qu'on enregistre nos souvenirs, notre savoir ? Aujourd'hui, est-ce que c'est seulement avec le numérique ? Comment ça se fait que du coup qu'on est si dépendant de ce numérique ? Voilà, donc entre les lignes de ces sujets, c'est ce qui intéresse vraiment Enki Bilal, c'est le patrimoine. Comment écrire l'histoire ? Et c'est quelque chose qu'il va essayer d'explorer avec tous ces ouvrages. Donc on a parlé du bleu et du rouge très important, et on voit bien aussi ici un côté un peu plus artistique. Donc Bilal va faire des expositions de ses planches, mais aussi d'œuvres originales comme celle-ci, dans des galeries, des projets en collaboration notamment avec le Louvre. Mais avant de vous parler de celui-là, puisque c'est pas dans le bon ordre de mon diapo, je vous parle juste rapidement de ce projet de décor et de costume pour l'opéra de Denis Le Vaillant, créé au Festival d'Avignon en juillet 90, qui s'appelle OPA Mia, My Tender Bead. Et aussi de La Mort d'Orion, que vous voyez ici dans le pilote numéro 13. Donc le pilote, c'est le magazine de BD qu'on a déjà évoqué plus en amont. Repris ensuite dans l'album Crux Universalis, édité par les Humanoïdes Associés. Donc les Humanoïdes Associés, c'est une maison d'édition de BD assez connue, très connue. Mais qui a aussi été utilisé pour illustrer la couverture d'un album de rock de l'artiste Mansé. Et en fait, je vous ai mis ces deux visuels-là ensemble pour vous montrer justement ce que je voulais vous dire par le fait que les artistes, les dessinateurs, que ce soit Spiegelman ou Bilal, vont faire énormément de projets en dehors du monde de la bande dessinée. Bilal, par exemple, va beaucoup travailler avec le cinéma. Là, je vous ai montré un exemple de décor d'opéra et de décor de pochette d'album, mais il va travailler aussi avec Jodorowsky, vraiment le monde du cinéma. Il va travailler sur le premier projet du film Dune. Il y a vraiment ce côté artiste pluridisciplinaire qui est une vraie question par rapport à la BD considérée comme un art mineur entre guillemets, et qui permet par contre de ce fait justement un art populaire de travailler avec tout un tas d'autres médiums, notamment le cinéma, avec cette idée aussi du storyboard qui se rapproche quand même beaucoup de l'esthétique de la BD. Enfin, il y a des croisements à faire et je trouve que c'est intéressant justement le lien aussi entre la musique et le dessin qu'on va voir ensuite avec Luz, plus approfondi, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est très riche en tout cas. Et ici, ce projet qui est très chouette, donc les fantômes du Louvre en 2012, où en fait Bilal a été invité par le musée du Louvre à venir les mardis, donc c'est mardi les jours de fermeture au Louvre, pour prendre des photos. Donc il a pris quelque chose comme 400 photos du Louvre vide, et ensuite il est venu travailler par-dessus une sélection de 22 photos, donc il a trié. Il est venu travailler par-dessus ces photos d'œuvres du Louvre, ou enfin, soit des œuvres du Louvre, soit vraiment des couloirs, enfin des endroits. Il est venu ajouter ces fantômes, donc ces espèces de figures un peu énigmatiques. Et ensuite, il a pu exposer ces œuvres, enfin ces photographies retravaillées, avec à chaque fois un petit texte qui raconte l'histoire inventée, qu'il a inventée lui-même, de ces personnages en lien avec les tableaux. Donc aussi un exemple ici sur comment un dessinateur va récupérer l'histoire de l'art pour s'inspirer, pour créer un nouveau contenu artistique, vraiment avec en s'inspirant directement du patrimoine artistique, ce que je trouve très intéressant. Toujours dans cette lignée de transdisciplinarité, Enki Bilal a aussi illustré un timbre, donc le timbre européen en 2006. Et c'est un peu, pour moi en tout cas, un rappel à l'idée de la case et à ce côté art populaire, accessible à tous, démocratique, facilement compréhensible, et qui permet aussi de parler de l'histoire d'une autre manière, notamment avec la page de couverture des Phalanges de l'Ordre Noir, que je vous ai montré tout à l'heure, qui parle justement de la résistance aussi en Espagne. Et qui, en tout cas, moi, était mon premier contact en tant qu'adolescente avec cette période de l'histoire. Donc, j'ai trouvé intéressant de découvrir ça grâce à la BD.
Enki Bilan a aussi édité dans les dernières années beaucoup d'entretiens avec des personnes, beaucoup de conversations où on découvre un peu sa manière de voir le monde, qui est assez acide. Donc ici, c'est le résultat, donc Ciel d'orage, de 42 heures d'entretien. Il faut quand même s'imaginer que c'est beaucoup. Alors, je vous cite juste un autre lien avec le cinéma, puisqu'il a fait des recherches graphiques pour Le Nom de la Rose, donc le film de Jean-Jacques Arnaud, d'après le roman d'Umberto Eco. Et il a dessiné les décors et les costumes de Roméo et Juliette de Prokofiev en 1990, sur une chorégraphie de son ami Angelin Prejlocage. En fait, c'est fou parce que on avait parlé déjà la dernière fois des réseaux d'amitié des artistes entre eux. Et là, on se rend compte parce que c'est contemporain et que c'est des personnes aussi qu'on a plus l'habitude d'avoir, en tout cas déjà vu. Mais le fait que, enfin, un chorégraphe soit ami avec un artiste qui fait de la BD, qui soit ami avec, enfin, toutes ces relations un peu particulières, moi, je trouve ça fascinant justement et c'est pas du tout quelque chose qui est visible en fait si on fait pas des recherches dessus. Donc voilà, ici, pour finir, je vous montre donc quelques planches de la trilogie Nicopole, donc 1980-93, éditée chez Casterman, où vous voyez aussi justement que, de manière très intéressante, Bilal semble être assez classique avec la disposition de ses planches, avec ses formats de cases rectangulaires, etc. Et à la fois, il y a quand même des petits inserts comme ça de fragments qu'on voit notamment ici, de mon côté, avec ce petit carré, avec le visage, comme s'il y avait voilà différents zooms sur différentes choses. Et puis, il y a aussi ce côté grande place au texte, grand encart pour le texte, qui fait en fait de sa bande dessinée aussi quelque chose de très chargé en termes d'informations historiques et de vraiment enfin une richesse d'écriture, quoi. Donc, on n'est pas juste sur du visuel. Et je trouve que voir les planches comme ça, en réfléchissant aussi à l'utilisation de la couleur, à la tonalité de ces couleurs, est-ce qu'elles sont plutôt criantes, est-ce qu'elles sont plutôt froides, plutôt pastel, ça permet aussi de comprendre un peu l'univers de ce dessinateur. Et on va passer à Renald Luzier, dit Luz, qui est lui né en 1972, donc le plus jeune des trois. Hop, excusez-moi. Alors, pareil, je vous ai mis des premiers travaux plutôt de jeunesse. Bon, après, enfin, il est né en 72, hein, donc il est quand même pas très vieux. Néanmoins, je trouvais intéressant de vous montrer donc des couvertures qu'il a faites pour Psychopathe et pour Chien méchant, qui en fait le mettent tout de suite dans la catégorie des caricaturistes de presse, plus que des auteurs de BD. Même si ça va changer ensuite, bien sûr. Il est né en 72, donc à Tours, et il collabore de manière la plus connue avec Charlie Hebdo et Fluide Glacial, qui sont donc des revues qui utilisent justement le dessin comme premier média. Donc depuis les années 90, il signe des planches dans le journal de BD Psychopathe, et en 94, il devient le rédacteur en chef de Chien méchant, mensuel de bande dessinée satirique qui connaît 6 numéros jusqu'en mars 95. Je vous ai mis la couverture la plus soft parce que c'est quand même assez comment dire graphique, on dirait en anglais, avec beaucoup de références très crues, très sexuelles, etc. Et vous voyez ici sur le côté donc le côté noir là, toute la liste aussi de dessinateurs. Alors on voit pas très bien parce que le scan n'est pas de très bonne qualité, mais on va retrouver aussi Charb et d'autres auteurs de Charlie Hebdo. Donc pareil, on parlait justement du réseau, donc ces gens se connaissaient et étaient amis. Alors je commence par vous montrer donc déjà les plus connues de Charlie Hebdo. Donc j'ai mis celle que vous voyez à gauche puisque je trouvais qu'elle synthétisait assez bien la définition de l'humour de Charlie, c'est-à-dire cette idée de l'huile du feu et de l'homme qui ne peut pas s'empêcher de faire éclater les choses ou de faire voilà de
de faire partir cette étincelle-là. Et je trouve que cette manière-là d'expliquer ce qu'est l'humour de Charlie est assez simple et compréhensible, et en même temps satirique, mais aussi auto-satirique, dans le sens qu'ils se moquent aussi d'eux-mêmes, ce qui est quelque chose qu'ils font de toute façon constamment, mais qui a été un peu, comment dire, aussi un problème par rapport à leur définition du premier degré, du second degré, du troisième degré, et donc voilà, où est-ce qu'on place la limite entre le politiquement correct, l'acceptable, le non-acceptable, la souffrance des victimes, etc., etc. Enfin, en fait, c'est vraiment la question de la moquerie, quoi. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut se moquer sans faire du mal de la personne dont on se moque, et en même temps, de qui se moque-t-on ? C'est vraiment ça la question, parce que pour Luz, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on entend souvent, notamment dans les interviews de... J'ai oublié son nom. Cabu, peut-être, je sais plus. Enfin bref, dans ces ce réseau-là de bédéastes vraiment très lié à la caricature politique, ce côté de... On est là pour taper sur les riches. C'est vraiment comme ça que c'est dit. C'est-à-dire se moquer des puissants... comme le fou du roi se moquait du roi, en fait. Et du coup, la question principale de qui se moque-t-on, c'est vraiment le prisme phare par lequel observer et en tout cas envisager ou analyser la caricature politique. Ensuite, vous avez ici les unes des numéros 1178 et 1011. Donc le 1011, c'est Charia Hebdo que vous avez au milieu. Et le 1178, c'est le numéro du 14 janvier 2015, donc de Luz. Et je vous cite juste dans une interview vidéo accordée à Vice, les paroles de Luz sur les réactions à cette une du 14 janvier. Je pense que la majorité des musulmans s'en foutent de Charlie Hebdo. Je pense que les gens qui s'arrogent le droit de dire que l'ensemble de la communauté musulmane a été offensée sont des gens qui prennent les musulmans pour des imbéciles. En avril 2015, il annonce dans un entretien aux Inrock qu'il ne dessinera plus Mahomet. Et en 2015, il quitte aussi l'équipe de Charlie Hebdo pour des raisons personnelles. Dans cette même année, donc 2015, il va publier une BD, donc un album qui s'appelle Catharsis, et qui va être vraiment un album où il va raconter son expérience des attentats de Charlie Hebdo, puisque je l'ai pas mis, on va rester là-dessus, pardon, puisqu'en fait, il faut savoir que Luz est arrivée en retard le jour de la réunion où il y a eu l'attentat à Charlie Hebdo, puisque c'était son anniversaire, et il est arrivé quelques minutes en retard, et en fait, il a été épargné grâce à ce retard, et ça a été le premier à découvrir la scène de crime à Charlie Hebdo, et donc il a été évidemment traumatisé, il a perdu beaucoup d'amis, et donc en 2015, il sort cette BD Catharsis, qui raconte vraiment cette histoire, et comment il a géré le trauma ensuite, comment il s'est reconstruit difficilement, comment il n'a pas pu reprendre le dessin tout de suite, et comment il a, voilà, sa quête pour retrouver le dessin. Donc encore une fois, dans ce que je vous disais tout à l'heure, ce mélange de l'histoire avec un grand H et de l'histoire avec un petit H, donc l'histoire personnelle et de l'écriture d'une histoire qui vient de se passer avec peu de recul et avec un point de vue très subjectif. Et en même temps, comment aussi ces ouvrages-là peuvent faire date dans la patrimonialisation de notre histoire, par exemple avec Maus et les deux livres de Maus de Spiegelman. Ça amène un autre côté à l'histoire qu'on nous apprend à l'école, qui est plus subjectif, mais du coup qui permet aussi de se mettre plus à la place des victimes, etc., avec un côté graphique beaucoup plus compréhensible directement. En 2018, il publie Indélébile, une BD qui raconte ses 23 années passées à Charlie Hebdo, qui est ensuite récompensée par le prix France Info. Il a fait d'autres travaux qui vont être beaucoup plus légers, entre guillemets, comme Les Maigrés gèrent la ville. En fait, Les Maigrés gèrent la ville, c'était vraiment cette idée de dérision par rapport à Catherine Maigret et son mari Bruno Maigret, qui était donc en 97
à la mairie de Vitrolles, donc Front National. Et il a vraiment créé cette rubrique, voilà, pour les tourner en dérision complètement. Et c'est quelque chose qu'il va continuer à faire aussi avec notamment beaucoup de publications dans des fanzines, même en 2002, où il va travailler sur les élections présidentielles de 2002 et distribuer donc ce petit fanzine qui va appeler Cambouis, où il va se spécialiser entre guillemets sur l'antifascisme. Donc la critique vraiment du Front National, de la flambée du fascisme en France, etc., etc. Donc pour lui, ça va être comme le fanzine Résiste de Art Spiegelman, un outil politique de tournage en dérision, mais en même temps aussi de militantisme face à un pouvoir grandissant du Front National, et donc vraiment une idée de contre-pouvoir politique. Voilà des planches de Cambouis. Et on voit aussi que son style donc est très particulier. Hein, chacun de ses dessinateurs a un style, vous voyez... très précis, mais pour lui ici c'est intéressant à regarder puisqu'il y a l'évolution du caricaturiste vers l'auteur de BD. Donc vraiment ce côté aussi de passer d'un art où vraiment la transformation, l'exagération des traits du visage et l'ADN de l'expression à quelque chose de beaucoup plus personnel où il va raconter aussi des histoires autres en fait. Et il va s'éloigner un peu de ce milieu de la caricature. Lui aussi, il collabore beaucoup avec des musiciens, notamment avec Rubinsteiner, pour qui il va illustrer un disque en 2004. Et il va lui-même être aussi DJ dans plusieurs lieux parisiens où il va passer des disques et faire encore du graphisme pour des albums, notamment Polémique, c'est la voix off, des groupes qui proposent des remixes politiques sur fond d'humour et de satire. Et il va également collaborer avec un photographe suisse. Une chose intéressante pour parler de son style, c'est qu'il dit que ni son style, ni celui de Charlie Hebdo, ni celui du Canard Enchaîné, qu'il cite aussi comme référence, n'ont jamais eu vocation à être consensuels, au contraire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une ambiance où on est dans une tension sociale, politique quand même assez afférente avec les présidentielles qui arrivent, etc. L'idée de pas être consensuel, l'idée d'être critique et de le faire avec humour pose tout un tas de questions, et c'est ce sur quoi j'aimerais aussi vous interroger maintenant que j'ai terminé ma présentation. Qu'est-ce que vous pensez voilà de ces dessinateurs? On sait aussi que voilà pour nous culturellement ça a été il y a aussi une sorte de non-distanciation par rapport au trauma des attentats, etc. Quelque chose qui est encore assez frais, assez proche. Mais en étant vous aujourd'hui dans cet amphi, des personnes intéressées par l'art, intéressées par différentes formes d'art, d'expression, etc. Quelles sont vos réactions face à la manière dont ces auteurs vont parler de leur époque, raconter comment l'époque s'est formée avec un passé plus ou moins lointain. Je pense par exemple aussi à Hugo Pratt, qui est le dessinateur de Corto Maltese, qui a fait un énorme livre sur la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle World War II. Mais aussi avec ce lien vraiment, enfin cette inscription vraiment très contemporaine dans les luttes politiques, l'antifascisme par exemple, ou la lutte de Spiegelman contre Trump, est-ce que le dessin déjà peut avoir, selon vous, une portée politique? Est-ce que ça peut gêner? Est-ce que c'est quelque chose qui peut... Enfin, comment vous vous situez-vous par rapport à ce que je vous ai proposé aujourd'hui? Est-ce que ce sont des choses qui vous touchent, qui vous touchent pas? Est-ce que vous avez des choses à dire pour enrichir mon propos? Est-ce que vous pensez qu'il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser par rapport au politiquement correct dans le dessin? Est-ce que l'artiste devrait avoir une manière de définir son humour, deuxième, troisième degré, totalement libre. Voilà, je vais pas trop donner mon avis sur le sujet, je pense que c'est quelque chose que vous avez aussi compris en filigrane dans ma présentation, mais en vous montrant justement différents styles comme ça, je voulais aussi vous faire réagir et vous demander, vous poser la question, en sachant que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est vraiment les artistes les plus connus, certains des artistes les plus connus. Et vous avez eu la chance, si vous êtes allé au festival de BD de Colomiers, si vous avez vu les expos qu'il y a en ce moment ici, de voir aussi des artistes moins connus, différents, peut-être avec d'autres engagements, etc. Voilà, je vous donne la parole.
J'ai assez travaillé pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé et j'attends vos réactions, vraiment. Elles sont toujours intéressantes, donc n'hésitez pas. Je pense qu'il y a un micro qui tourne dans la salle. Oui, Nadège, tu l'as. Je vous en prie. Même si vous avez pu voir des expositions ou lire des ouvrages dont on n'a peut-être pas parlé ou dont on a parlé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel a été votre ressenti en lisant notamment Maus, par exemple? Je sais que ça peut être aussi... Est-ce que vous conseillerez, par exemple, à des profs d'art plastique dans le secondaire, parce que j'ai été l'an dernier, par exemple, de montrer ces choses-là à des élèves collégiens, comme le Maus de Spiegelman, par exemple? Ou est-ce que c'est trop tôt ou pas adapté? Voilà. Quels sont vos... Je veux en parler. Ne me faites pas sentir si impressionnante et seule, c'est très déstabilisant. Enfin, je sais que voilà, on n'est pas forcément obligé de parler de Charlie Hebdo ou des choses les plus piquantes, mais peut-être une réaction par rapport à ce lien entre l'art et la politique au travers de la bande dessinée. J'ai essayé de montrer un peu aussi comment l'histoire peut être écrite. Alors, je veux bien que... Je sais pas qui a parlé. J'ai entendu une petite voix. Je vous vois pas trop en plus, c'est assez gênant. Mais pour l'enregistrement, c'est bien d'avoir tout dans le micro. C'est pour ça qu'on y tient. Je disais que ça a toujours existé. C'est-à-dire? De faire une autre façon, la Daumier. Il faisait des dessins critiques. Oui, non, mais oui, ça a toujours existé, c'est clair. Oui. Après. Même les rois ont été. Louis XVI, mettons, et la reine ont eu des bandes dessinées. Ah oui, c'est clair. Très, très cruel et très... Bah, la caricature, surtout, voilà, avec les déformations, oui, etc. Oui. Mais je pense que c'est une façon de s'exprimer très, très libre. Bien sûr. Après, il y en a beaucoup qui ont payé hein, pour ça, de dessinateurs et dessinatrices sûr, après. Hein. Ouais, ça... Nombre de têtes sont tombées quand même. Oui. Au sens littéral et plus métaphorique. Et puis ça continue aussi. Enfin, je veux dire, en venant ici, j'entendais qu'un blogueur biélorusse avait pris 18 ans de prison en Biélorussie pour avoir juste exprimé son avis. Enfin. C'est quand même des choses qui existent encore très près de nous, quoi. En Occident, enfin, proche de l'Europe. Donc, il y a quand même des vraies questions politiques derrière, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres choses à dire, ressenties, questions à poser? N'hésitez pas. Non, personne. Je vous ai ennuyé, je vous ai endormi. Ben, écoutez, si c'est comme ça, on se dit à la prochaine. Donc, ce sera le 11 janvier. Et ben, s'il y en a qui n'ont pas osé venir, enfin, prendre le micro, n'hésitez pas à venir me voir maintenant, avec plaisir. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, j'espère que ça vous aurez appris 2-3 trucs, que ça vous aurait intéressé. Et si jamais vous avez mon adresse mail là, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez des choses à me conseiller, à lire, à regarder, ou des questions, ou des enrichissements. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et bonne soirée.